Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. François de Rugy va tomber à cause d'une photo. La photo d'un homard. S'il n'y avait pas eu une photo sur les réseaux sociaux, il n'aurait jamais démissionné. Démissionner pour une photo, c'est très nouveau. Elle se juge aux actions et aux réalisations. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans Démission, histoire des démissions ministérielles, le nouveau podcast produit par Europe 1 Studio avec le soutien du Club des Juristes. Démission est une série inédite sur tous ces ministres qui ont choisi de claquer la porte ou qui ont été renvoyés sous la 5e République. Je suis choquée du mauvais traitement qui est réservé aux femmes ministres. Je vais vous faire une confidence. On avait terminé l'enregistrement de cette série podcastée lorsque, patatras, une nouvelle affaire a surgi. L'affaire Delevoye. Tant que les hommes politiques ne comprendront pas qu'ils doivent strictement respecter la loi et qu'ils doivent être exemplaires, eh bien, les réseaux sociaux ne les lâcheront pas et le feuilleton des démissions ministérielles n'aura pas de fin. La responsabilité de ce genre de décision incombe à l'autorité politique, c'est-à-dire au ministre. Vous pouvez le découvrir sur Apple Podcast et YouTube notamment, et on vous donne des nouvelles très vite sur Europe1.fr et les réseaux sociaux. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Hein.